plop les gens, de retour sur Dandara, plus motivé que jamais, enfin on espère. Dans l'épisode précédent, donc l'épisode 15, et je pense que je vais au moins le laisser dans celui-ci aussi, dans l'épisode 16, du coup je vous mets un lien vers cette sauvegarde, je crois à peu près, enfin à un moment des essais. J'en avais pas mal parlé pendant l'épisode précédent, que j'ai déjà enregistré il y a un peu plus d'une semaine. Mais voilà, je vous mets le lien vers ma sauvegarde si, comme je l'ai dit en stream la dernière fois, vous voulez tester. Pour ça, faut que vous suiviez les instructions que j'ai dit. N'oubliez pas surtout de sauvegarder votre sauvegarde à côté, la mettre avec un autre nom ou quoi pour pas la perdre. Si ça se trouve, d'ailleurs la sauvegarde s'appelle slot 1, faudra la renommer slot 1.banana. Et il faut désactiver l'onglet cloud qu'on voit là en haut à droite. C'est à peu près tout ce qu'on m'a dit dessus. J'avoue, je ne l'ai pas fait moi-même, donc voilà, j'espère que ça vous suffira comme info. Et plop Tokyumiya. Non, je ne l'ai pas battu justement. Et toi, t'as réussi? T'as essayé? Mais je l'ai... J'ai pas rejoué depuis la dernière fois, donc... Sérieux? Oh mince. Alors en 3 one-shot, je te crois pas. Hein. 3 fois en 3 one-shot. Plop de haut aussi d'ailleurs. La peur indicible. Ok, que 3-4 essais. Ah, j'ai oublié de vous mettre les manettes, je crois. Attendez, 2 secondes. Oui, j'ai oublié de vous mettre les manettes, mais je peux pas le mettre avec... Si je le mets comme ça, les deux apparaissent alors qu'il y en a qu'une. Tac. Une manette, voilà. Ouais, c'est bon. J'ai fait quoi? J'ai fait menu principal. Le boulet. Désolé. T'as du mal avec l'attaque chargée. L'attaque chargée, le... Juste quand on attaque tout court ou l'attaque boule? Mais essaye de faire la partie tutoriel avant quand même. Hein. Parce que j'ai beau vous dire essayez là où je réussis pas, je sais que Dandara a quand même des touches un peu spécifiques et j'ai beau y avoir passé pas mal de temps et mince, je galère toujours des fois un peu. À ce niveau-là. Je t'avais pas vu, toi.
Oh là là. Potion. Vu que j'ai pris la potion. Et j'ai pris les dégâts. D'ailleurs, je crois que vous étiez pas là, vous, mais on a fini We Were Here Too aussi avec Sinoble. J'ai pas du tout commencé à uploader les vidéos. Il va falloir que je m'y mette, mais je voulais finir le Together avant. Si je déconne, j'ai pas battu le boss, mais tu vas retry. Ouais, tu dois rester appuyé et pour attaquer, c'est assez bizarre. Je suis une Creedy, moi. Creedy ? Greedy, ah, c'est ce que je me disais. Que tuto, parce qu'il n'y a pas vraiment de tuto, je crois, à part le vraiment le tout début qui t'apprend les quelques touches, mais je pense que si t'as fait un essai, t'as déjà à peu près tout du tuto. Essayez de faire quelques salles du monde normal, que ce soit avec ma sauvegarde aussi, si tu veux. Ça permet toujours de s'habituer justement à se battre quelques monstres, à se balader sur les murs. Parce que se balader sur les murs, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui trouverait ça inné à la manette en tout cas. Sûrement à l'écran tactile, oui, mais vu que je le rappelle, le jeu est aussi disponible sur mobile normalement. Et je dis normalement parce que j'ai pas été vérifié sur quel store.
Oh, j'y suis allé trop vite. J'arrive même plus à me déplacer, moi. Bon, on est encore dans l'échauffement. Allez. Un peu. Voilà. Oh, ok, là ça se passe hyper bien pour le moment. C'est quand que je réussis à tout fail d'un coup? Là ça a failli. Non, il commence en haut à gauche le laser. Et mince. Okay.
chaque fois, cette salle, je me fais avoir. Il y a un arbre. On roule le sapin. Déjà suffisamment compliqué. Sans les petites boules en plus là. Oui, du mana. Oh, on reprend un peu de mana de toute façon. On a trop de potions de mana d'habitude. Alors la forme du truc te perturbe, c'est ça? Je crois que je l'ai déjà décrit de la même manière que toi la dernière fois. Si j'ai bien lu, t'as dit on dirait un anus. Là où il y a l'œil. Potion. Oh punaise, mais à chaque fois je veux faire un coup de plus et du coup je me fais avoir. Mais de... On esquive. Enfin! Bon, par contre, j'ai eu toujours la même attaque, du coup, c'était plus facile. Je trouve que c'est la plus facile de celle qui me fait. Le renouveau du sel, succès.
Désolé, il est parti tout seul. Le cri. J'ai dit ça entre ce cri aigu et un beaucoup plus grave. Les deux seraient partis, mais c'est celui-là qui est allé. Lorsque Dandara triompha et que Tormenta a disparu, Eldar fut condamné à ne plus revenir. Les réminiscences s'emplirent d'œuvres vivantes. Et les rêves portaient désormais sur les jours nouveaux. Le sel avait fini par accomplir un véritable changement. Au village des artistes, Nara chantait enfin. Chantait enfin. Des chants d'harmonie et de liberté. Des chants de paix. Long Hat House. Succès vrai, histoire de liberté, explorateur chevronné. Succès. Bah du coup vous le voyez en fait. Finir le jeu. Ça met juste 1000 ans. Oh, écriture supplémentaire. J'ai cru que tu t'étais cogné le petit orteil sur un pied de table. C'est vrai que ça pourrait faire voir ça, mais... Mais non, je l'aurais pas fait comme ça, le gris. Pour tout vous dire, tout à l'heure, j'ai commencé... Enfin, je me suis dit, ah, je sais pas combien d'épisodes ça va encore me prendre. Du coup, j'ai déjà préparé les miniatures pour jusqu'à l'épisode 20. Alors que ça, c'est l'épisode 16. Mais... En espérant ne pas arriver jusque là, évidemment. Oh, dès qu'il y a un accent, c'est la merde leur police. Hein. C'est marrant, ils ont pas mis par ordre alphabétique dans chaque catégorie. Enfin, dans cette catégorie en tout cas. Twitch a écrit. Speedrunner. Oh, il y a certains speedrunners là, j'avais pas fait gaffe. Ophélie Collin et Nadège Guillon Desbonnets, les traducteurs français. Enfin, traductrice du coup. Oh. Japonais, c'est un site internet. Remerciements, famille et mamie. Et amis, tu gagnes 2017. Dito. Vous. Réalisation du sel 16h04, 50 secondes. Coffre. C'est quoi, c'est dans les deux mondes? Oh punaise. 92 dans le monde normal et 77 dans l'autre monde, je suppose. Exploration 99 dans le monde normal, 98 dans l'autre monde. Alors on va avoir un souci. Parce que si... Parce que... Ou alors il me manque juste 2-3 coffres et ça va me faire tous les gros pourcents, mais... Bref.
Oui, mais il me reste 35 minutes pour cet épisode à peu près. Après tant de batailles, le repos était enfin de mise. Alors que les récits du courage de Dandara mettaient du baume à bien des cœurs. Elle ne fut pas oubliée. Retour sur l'écran titre. Et du coup, on va essayer d'atteindre les 100%, sachant que c'est zéro aide, ou presque. Donc, ça risque d'être compliqué. On va sauvegarder, même si ça ne changera rien. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Bonjour madame. Dandara, je t'ai dit d'arrêter. Tu as semé une belle pagaille. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Le temps a beau avancer, il suit un cycle éternel. Eldar renaîtra et reprendra sa place. Eh ben non, on l'a bien vu. Tout reviendra à la normale dans quelques temps. Et si tu t'assieds avec moi en attendant? Et oui, je vais attendre. Tu devras vaincre Eldar à nouveau pour terminer ton périple. Oui, je vais attendre. Je m'en fous, de toute façon j'ai tout en stream. J'ai tout en vidéo. Donc, pour les 100%, je sais qu'il y a un coffre ici. Mince. Du coup, si on pouvait se téléporter, ça m'arrangerait. Vaincre Eldar, c'est pas un souci, c'est vaincre le prochain. Le deuxième, c'est un peu plus problématique. Non, c'est pas du tout là que je veux aller. Rêve, c'est dans l'autre sens. Prairie de la création. Ouais. C'est par là. D'ailleurs, le tutoriel, pour ceux qui se demandent, c'est en gros. Ici, on apprend à sauter. Et faut faire ça, je sais plus exactement. Voilà. De toute façon, si vous avez vu toutes les VOD, vous étiez présent à tous les streams, vous savez, mais. Et voilà. N'empêche, je pensais prendre un peu plus de temps quand même. Je pensais pas réussir plus ou moins du premier coup comme ça. Non, pas du premier coup, mais l'une des premières fois où je suis retombé face à lui. Passage. Là, il n'y a pas de passage. Il y a des passages nulle part. Comment je fais? Ça rebondit. Oh, par contre, si le jeu demande que je le finisse à 100% plus, puis que j'ai le... Ça va pas être possible, quoi. Puis que je rebatte le boss final, voilà. Ça va pas être possible. C'est mort. Y'a pas de passage ici, hein. La ligne verte, elle se TP de là à là, direct. Donc y'a... Ok, bonne trad, Tokumia. Ça va être un 100% approximatif. Hein. Ça va être de la recherche. Je
Ouais, bah, je vais finir cet épisode en faisant de la recherche là-dessus, mais je pense pas le finir. Il reste trouver tous les coffres du jeu, visiter tous les recoins du sel, terminer le jeu après avoir visité toutes les pièces et trouver tous les coffres. Donc là, pour avoir tous les succès, par exemple, j'ai dit que c'était mort. Terminer le jeu après avoir trouvé plus de 35% des coffres, bah c'est fait ça. Hein. Vous voyez ? Ouais, vous voyez. Terminer le jeu avec moins de 75% des salles visitées, bah ça, faut recommencer. Soyez plus rapide que nous et finissez le jeu en moins de 1h17, ça c'est speedrun, ou en moins de 2h pour le format débutant. Défi à relever, terminer le jeu n'importe quelle fin. Ah, n'importe quelle fin, donc il y a plusieurs fins, apparemment. Avec au moins 2 défis. C'est quoi les défis? Pourquoi j'ai pas ça? Et moi j'avais fait quoi? Terminer le jeu après avoir trouvé plus de 85% des coffres. Et celui-ci, je suppose. Et finir le jeu, bref. Bref. Si je vais dans ce monde-là, ici, c'est pas possible de passer à cet endroit-là. Bah le bon gros 100%, en fait, je suis assez peu completionniste. J'essaie. Après, j'ai l'impression de rater un petit peu si je fais pas mon max pour avoir bah, le maximum, quoi. Du coup, j'essaie de le faire pendant que je joue, mais une fois que j'ai fini, j'ai plus beaucoup la motive de continuer. Non, là, c'était juste une salle. Je ne sais plus exactement, mais ok. Non, bah, la carte explorée, je me souviens à peu près. C'était ce coin juste ici, là. Et tout à gauche ici, pour ce monde-ci, pour ce monde-là, il y avait un endroit, il manquait 1%. Je sais pas. Bon bref, dans ce monde-ci, je pense qu'il manque que ça. Et à part regarder la soluce, je vois pas trop comment faire. Bah tant pis, j'ai utilisé tout mon mana. C'est pas hyper important parce que j'ai cliqué. Je comprends pas. Celui-ci, vraiment, j'ai jamais eu compris du coup. Du coup, pour les autres. Comment on vient ici? Où est la bouche la plus proche? C'est là-haut. C'est celle qui est en haut de cet écran. Par ici, s'il n'y a pas quelque chose d'activable. Pas. J'ai une touche qui a bugué, je pense. Il émane de cette pierre la puanteur d'une substance huileuse et toxique. Rien de plus.
LT. Bref, petit bug, je pense. Oui, mais ici, du coup, il n'y a quand même rien. Rien de spécifique. Ok. On monte là, et puis une fois qu'on est en haut, on va choquer. Enfin, on monte. Vu qu'on a changé d'orientation, on va à droite. Et on rechange d'orientation, mais là, on va en haut. Là que j'ai pas réussi, que je sais pas comment prendre du tout, je veux dire, il y a le même genre, j'allais dire dans le palais d'Eldar, à peu près à cet endroit, ici, de mémoire il est juste ici, il y en a un, on sait pas comment y aller, j'ai réussi à me mettre de là d'ailleurs, et on voyait rien, j'ai cru que j'en sortirais pas. Oui, là-haut. Plus jamais bel horizon. Alors là, les deux endroits où j'ai pas été, faut descendre. Donc on va descendre, on va aller sauvegarder ici. Et après à gauche et à droite. À gauche en priorité, je pense. Gratuit, il n'y avait pas besoin de d'aller le voir. Ce lieu abandonné semble avoir été entretenu avec soin. L'artiste se soucie apparemment beaucoup de son travail. Une figurine effrayante représente un chevalier sans tête avec une armure vide et une étrange épée. C'était aussi un réceptacle du vide. Je viens pas avoir vu depuis ici. Statue derrière, j'avais pas fait assez gaffe au décor. Ouais. Mais. Le débrancher branché la manette, je trouve celle qui déconne. Débranche, je rebranche, elle s'allume plus. Si c'est bon. Ah punaise, j'ai fait menu principal.
Mais... Il y a un papier froissé sous les pierres, il semble pétrifié comme s'il en avait... comme s'il avait été oublié par le temps lui-même. On y lit « Cet homme au masque d'or, c'est un imposteur. Cette plainte doit être entendue. Je doute qu'il ait réussi les défis des maîtres, mais il a pourtant leur approbation. C'est un tricheur, aucun doute. » Ah, peut-être que le succès, c'était en réussir que 2 sur 3. Je sais pas. Donc là, on passe par en haut, pas par en bas. Sérieusement? C'est parce que ma manette... Hein, ça m'embête un peu. Ah! Nouveauté. C'est la première fois qu'on a... Oh! Redémarrer le jeu plutôt, mais bon, ça ne sera pas fait. Non, ok. J'ai tellement l'impression, ouais, tirer énormément à droite, mais non. Faut être au pixel près, quoi. Non. Dernier essai avant d'utiliser toutes mes potions. Mais c'est pas suffisant. Oui. Regarde, mais il y a vraiment rien sur ma manette qui pourrait... Alors, je touche vraiment pas la touche, hein. Et ça vibre déjà, donc c'est bizarre. Donc celui-là, je m'en doutais un peu que c'était quelque chose comme ça, mais je pensais pas que le... Le rayon allait... Enfin, la caméra allait suivre le rayon. Bon, alors ici on retourne full à droite, on sauvegarde et on va voir le petit truc là. Sauvegarde est peut-être pas indispensable, mais
Non, non, non. C'est vers le pas côté long, ça doit être là. C'est dommage, là, le jeu, il avait pas eu trop de bugs et tout, et tout d'un coup... D'ailleurs, là, je suis en train d'aller au mauvais endroit. Je me disais bien, c'est par ici. Il faut apparaître de l'autre côté. Bien ça, il me semblait bien que c'était juste pas faisable. À moins que... Regardez. La boule, elle a fait l'aller-retour. Et la caméra ne l'a pas suivi. C'est pour ça que la première fois quand je suis rentré dans la salle, dans l'autre salle là où j'ai réussi juste avant, pour moi il n'y avait rien quoi. Du coup, je fais comment ici? Je fais comment? On a trouvé un secret. Ce secret là, il a l'air impossible parce que de l'autre côté... De l'autre côté. Ah, je suis allé à gauche de la pièce, mais ça se trouve, c'était à droite qu'il fallait regarder. Mais j'ai bien la flemme de revenir juste pour ça. Je dois bien vous l'avouer. Là, pareil, il n'y a aucune logique de. Un truc en particulier à faire. À part peut-être si... peut-être celui-là. Alors, faut voir. Enlever. Non, celui-là... celui-là, il va rebondir. Celui-là, s'il passe à travers. Mais non, il ne passe pas à travers. Celui-là ne va pas passer à travers. Celui-là non plus. Présent déplacé, je vais me déplacer moi-même. Ça, comme je l'ai dit, ça rebondit. On va se souvenir, on a vu que ça passe pas. Et donc celui-ci. Logique. Ce que je voulais faire.
utile, je sais. Pourquoi je suis parti sur la droite ici? On peut retourner là, oui. Que je réfléchisse. Faut que j'aille de l'autre côté, donc il faut que je sorte par l'un de ceux tout à droite. Ok. Pour voir l'autre coffre. Ça va être la même chose que pour la forêt. Hein. Spoiler alerte. Je fais encore tout ça pour pas grand chose. Ils sont tellement plus calmes ces couloirs quand il n'y a pas les ennemis intuables de ce côté-ci, en tout cas, depuis ce côté-là. Oui, Nantara, non, c'est
si on se passe cette mine. Alors je crois que c'était par là. Non. Mais safe, aucun ennemi m'aggro. Ça doit être par là. Gaspiller tout mon mana juste pour que ça arrête de m'embêter. Et là, il y a encore un coffre à travers les pics. Et je me souviens très bien avoir regardé ici que ça avait rien donné. Avoir regardé dans l'autre salle, ça avait rien donné. Punaise, c'était ça. Ok, alors celui-là, j'avoue, j'aurais pu l'avoir. 2000, je suis à plus de 10 000, ok. Ça, c'est bon. N'empêche que le coffre dans la forêt... quand même pas l'avoir. Celui qui est au milieu ici. Tout le reste, je pense y avoir. Ouais, je joue à moitié manette, à moitié clavier. Tout le reste. Normalement, j'ai tout le reste, vraiment. Il y a ça. Pour l'exploration. Il y a... Je me souviens pas exactement de tous les endroits. Ça, je crois que j'y suis allé deux fois et que même la deuxième fois, j'ai pas trouvé de manière alternative d'y aller. Moi, ça et le coffre ici, donc les deux endroits où j'ai déjà été à l'instant, quoi, c'est les deux seuls mystères qui restent dans le jeu. Peut-être qu'il y a plus, je sais pas.
peut-être revenir ici pour voir si ici il y a une sorte d'interrupteur que je pourrais activer, désactiver. Et qui magiquement dans l'autre monde l'aurait activé, mais le. Bref. Et même là, j'ai failli re-rater ce coffre aussi. Hein. Celui-ci, j'y suis arrivé en mode de toute façon, je l'aurais pas. Et j'ai failli pas l'avoir. Je l'ai aperçu bouger, gigoter très légèrement. Et je fais, s'il gigote, peut-être qu'il est relié en fait. Effectivement, il était relié. Non, là. Alors, rêve. On se re-téléporte au tout début. Il paraît tellement avoir quelque chose ici. En fait, je saurais même pas dire depuis quel endroit il faudrait l'atteindre. Ce serait soit là parce qu'il y a un arbre. Et voilà. Soit ici parce que il y a. C'est le seul endroit relativement grand par aux angles où il n'y a pas de sel. Tout à droite. C'est là où je suis, mais il n'y a rien. Les squelettes m'avaient ouvert quelque chose.
que même ça, c'est trop, quoi. Bon, ici, pile poil ici. Sauterait pas d'un bout de sel à l'autre, il irait au milieu là où il y a quelque chose. Cette plume là du... À part détruire ça d'une manière spécifique, je vois vraiment pas ce que ça pourrait être. Un coup de missile ou un coup de choc anxieux qui détruirait tout, je sais pas. Je ne sais pas, je vous ai déjà fait pointer 1h10 sur cette VOD, ou presque. Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Du coup, si quelques personnes ont des idées, je pourrais peut-être essayer de... Enfin, je pourrais refaire un autre épisode juste pour finir ça. Par contre, c'est plutôt hors de question de me rebattre contre le boss final. Ou alors juste pour finir la VOD, comme ce que j'ai fait là tout de suite pour finir la VOD, un peu d'exploration. Et du coup, j'espère que toute la série d'Andara vous aura plu. Je vous ai mis du coup dans l'épisode précédent et dans cet épisode... La sauvegarde, si vous voulez vous battre avec les mêmes armes que moi contre le boss final. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.